historical craft of Hermès comes naturally from the world of leather and saddle making in particular. So let's find out how this special expertise enables the brand in developing special products when it comes to its straps. On est dans la montre depuis à peu près plus de 80 ans. On a tout de suite, quand on a créé les premiers produits, on a tout de suite imaginé des produits horlogers avec du cuir. Et dans les années 30, où on avait une créativité forte en termes de produits horlogers mécaniques, puisqu'on n'était vraiment que dans le mécanique à l'époque, on a réalisé et créé donc beaucoup de produits horlogers qui intégraient donc ces techniques du cuir, aussi bien des cuirs selliers que des cuirs gainés, avec des objets tout à fait particuliers et très originaux. Can explain us what are the different stages and what kind of leathers are you using in crafting such a special strap? Last year we done a limited run in Barrignier, which is of course the Vaux. It's a little bit different to work than the alligator. It's very delicate, marks very easily. The alligator has different qualities to work with, especially when it's put into the water. Each time it comes out of the moule, we've got to be very careful as to the marks which are left on the leather. So each point it's got to be controlled each time it comes out of the moule. So it's a little bit particular for that. It's lots of control at each point, and at any point, the whole piece could be finished. On a de plus en plus la volonté de vouloir développer donc de nouveaux produits liés au cuir, un petit peu comme on le faisait dans les années 30. C'est vrai qu'on a depuis quelques années un petit peu abandonné ces techniques et ces gainages, et maintenant on a envie aux gens de redonner cette créativité et ce savoir-faire qui est vraiment propre à la maison, et en particulier sur l'horlogerie. Leather holds all kinds of forms, and especially once it's been molded into the water, it's been glued into place in three different stages, it's going to be good and solid to wear. It's going to hold its shape. There's lots of things which are actually water molded, sheaths for knives, which they hold their shape for years and years. In fact, I think the original piece, which is in the Hermes Museum, made 100 years ago, I think that's still got its original form as well. So I think it's going to be durable. Si on reprend l'histoire d'Enzo Pocket, c'est une belle histoire qui date de 1912, puisque à l'époque, on avait Jacqueline Hermès donc avait reçu cette montre pour la pratique de l'équitation. Et donc on a réinterprété ce bel objet avec bien sûr les techniques et les savoir-faire d'aujourd'hui, mais en conservant bien sûr beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé. Et c'est vrai que pour nos clients, cette interprétation de ce produit donne aussi un imaginaire tout à fait particulier. C'est qu'on a vraiment donné un sens à l'objet avec ce produit, puisqu'il y a une très très belle histoire derrière. Ça sera en tout cas pour nous, je pense, le début d'une belle histoire avec les nouveaux objets portés par Hermès dans l'horlogerie. Overall, how long does it take to craft something like this? In general, for one piece, with all the drying times, it takes about a day to make one piece. And then it goes up to the table upstairs, and they'll take about another day to finish it off. Si un client voulait en tout cas un cuir particulier ou une couleur particulière, pour un peu que ça reste en tout cas dans l'esprit et le style de la maison, bien évident qu'on pourrait lui faire un produit sur mesure, comme on le fait pour d'autres métiers.